Donc, pour continuer la matinée, la conférence suivante va nous présenter le réseau Respect Océan, qui est un réseau d'entreprises responsables vis-à-vis des océans. C'est un réseau qui a été fondé par Raffaella Le Gouvello. Et je passe donc maintenant la parole à Eric Le Gouvello. Bonjour, bienvenue à tous. Welcome everyone. We can speak in French or in English, either way, according to your expectations. La plupart de nos interventions se feront cependant en français. Après juste quelques présentations, je passerai la parole rapidement à Raffaella qui est en liaison avec nous, juste avant qu'elle ne rallie Douarnenez où son bateau l'attend pour le départ de la Mini Transat qui est peut-être programmée pour demain matin. Donc on va l'entendre dans quelques instants. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Patrick Rondeau de Armateurs de France, donc une fédération d'entreprises qui est impliquée, investie et engagée dans ce réseau. Nous allons être rejoints par Gilles Laridon qui est là et que j'invite à nous rejoindre sur la table ronde pour représenter GDF Suez lorsque nous montrerons comment est-ce que GDF Suez est impliqué dans ce réseau. Et bien sûr, Agnès Garçon, juste à ma droite, de Sablière de l'Atlantique, qui, en une dizaine de minutes, 10-12 minutes, nous présentera ce que fait cette entreprise particulière pour réduire son impact sur l'océan. Je suis moi-même Eric Le Gouvello, le frère de Raffaella. Je la représente ici pour vous présenter ce réseau Respect Océan, et j'ai le plaisir d'accueillir Raffaella, si elle est bien en ligne, comme nous l'espérons. Raffaella, bonjour. Oui, bonjour. Je dois parler en français ou en anglais? L'audience, c'est... French or English? Français, ça vous va? Bon, français, tu peux y aller. Je peux y aller. Donc, bonjour à tout le monde et merci d'être ici présent à Marseille. Je suis bien désolée de ne pas être avec vous. Mais c'est aussi un engagement que j'ai donc dans la Mini Transat 2013, qui normalement j'aurais dû être en mer et on aurait dû faire une vidéo. Donc là, c'est déjà extraordinaire de pouvoir vous parler en direct. Demain, peut-être qu'on va décoller sur cette Mini Transat, enfin, avec les conditions de vent qui nous permettent de faire une première partie du trajet. Mais je pense que c'est une bonne occasion de se rappeler que, quelles que soient les activités, quelle que soit la chose qu'on fait en mer, il y a aussi d'abord et avant tout elle-même qui décide et qui donne le tempo. Donc je trouve que pour démarrer cette présentation du réseau Respect Océan, c'est une première chose qu'on peut tous avoir en tête. Et je voulais partager avec vous... cette idée de réseau qui est née et qui est en formation depuis 2 ans. Rebondir déjà sur les mots de Gilles Boeuf que vous avez entendu peut-être il y a 2 jours à Marseille et qui disait à la fin d'une session plénière, qui disait on a besoin de, pour avancer, parce que je crois qu'on est tous convaincus des enjeux qu'il y a sur les océans, sur le littoral, dans le monde entier, et qu'il faut pouvoir avancer. Et donc, avancer, ça veut dire aussi changer de comportement, et aussi s'écouter les uns les autres, et puis avoir des gens de bonne volonté, et se dire qu'on peut, bâtir des choses ou résoudre des problèmes, si on est aussi capable d'abord de s'écouter. Donc, moi-même, je suis passionnée de mer, navigatrice partant là sur un autre challenge sportif. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur les questions de l'aquaculture, qui reste par exemple un domaine très important dans le monde entier et sur laquelle on a en ce moment des grosses controverses. Donc c'est bien de parler d'aquaculture, c'est aussi très important de parler plutôt d'aquaculture durable, et de voir comment ce type de production peut aussi
se faire sans être en détriment des enjeux des océans. Et j'ai aussi côtoyé, par mon expérience des aventures que j'ai faites en mer, j'ai côtoyé beaucoup d'autres mondes de la mer, que ce soit le monde du nautisme, du transport maritime, et puis des grands partenaires comme GDF Suez, avec lequel je travaille en ce moment beaucoup en étant au conseil d'administration de la fondation GDF Suez. Donc toute cette expérience un peu, on va dire, éclectique, m'a permis de voir que souvent on avait un manque de connaissances des uns des autres, et qu'il y avait vraiment besoin de pouvoir engager des dialogues, d'apprendre la langue de l'autre, en fait, et pour notamment sur tous les enjeux de la mer et du littoral, où la mer est vraiment un milieu continu et tout le monde est en interaction avec l'autre. Donc je me suis dit que c'était bien aussi, par mon métier, j'avais côtoyé, rencontré des gens qui avaient envie d'avancer, et notamment des secteurs professionnels qui touchent au domaine maritime, et que souvent ces gens-là se sentaient assez isolés. On voyait des PME, des PMI, des entreprises de petite taille, mais qui essayent de faire en sorte que les enjeux de la mer puissent être mis en application dans leur propre métier. Et souvent, ces gens-là se sentaient un peu isolés. Donc, petit à petit, l'idée de ce réseau Respect Océan est née, en me disant, peut-être qu'on peut contribuer à mettre en place, mettre en valeur les entreprises du monde de l'économie maritime qui déjà s'engagent, vont un peu au-delà de ce qu'on leur demande, par exemple, sur un strict plan réglementaire, et puis les aider, les accompagner et les fédérer autour d'un même engagement pour que petit à petit, par un effet boule de neige, en fait, d'autres entreprises, d'autres acteurs les rejoignent. Et puis aussi, les mettre en lien avec les parties prenantes du monde de la mer et du littoral qui sont représentées par les secteurs scientifiques, par les collectivités, les pouvoirs publics, et puis le monde associatif, qui quelquefois fait un petit peu peur à certains acteurs de la vie économique. Donc voilà, l'idée de Respect Océan est née petit à petit, et puis j'ai la chance d'avoir pu, dans cette nouvelle aventure sportive, la Mini Transat dans laquelle je pars demain peut-être, avoir mon bateau qui soit baptisé par Gilles Boeuf, donc le président du Muséum d'Histoire Nationale et professeur au Collège de France. Et le bateau s'appelle respectocean.com et il est là aujourd'hui. Je pars dans cette nouvelle aventure sportive aussi pour porter, dynamiser le réseau et lui donner de la visibilité, et j'en suis très fière. Donc voilà, merci à vous d'être là et bonne continuation et bonne table ronde. Et je reste un petit peu à l'écoute le temps que je peux, mais il va falloir que je m'éclipse. Merci. Merci Raphaëlla. Donc tu t'éclipses quand tu veux. On sait que tu as maintenant de nouveaux impératifs et nous allons donc tous ensemble présenter un petit peu ce réseau et ses objectifs, la charte qui, si on veut bien me remettre à l'écran les diapos, merci. La charte qui a été conçue donc par toi avec les entreprises fondatrices de ce réseau. Donc les objectifs, c'est les objectifs de réseau. Vous ne serez pas surpris compte tenu de ce que vient de dire Raphaëlla, c'est bien d'accompagner les entreprises qui sont toutes impliquées d'une façon ou d'une autre dans l'économie maritime, dans un chemin qui les mène vers des changements et des améliorations, vers un développement un petit peu plus durable. C'est un réseau donc des échanges avec d'autres mondes, avec toutes les parties prenantes de la mer dont vient de parler de Raphaëlla. C'est un réseau qui veut échanger des bonnes pratiques. C'est souvent les entreprises qui sont dans des secteurs professionnels un peu différents, donc il n'y a pas d'inconvénient à échanger ces bonnes pratiques. Au contraire, ça permet de faire des progrès ensemble.
Et puis, au-delà de ça, c'est construire une conscience, une responsabilité commune pour adresser tous les challenges de l'économie de la mer. Donc, ce réseau s'organise, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais il est, comme vous pouvez le constater, connecté avec pratiquement toutes les parties prenantes. Il va être animé, il est soutenu par la région Bretagne. Il va travailler avec les associations, les organismes de recherche. De nombreux experts pourront être mobilisés pour aider les entreprises qui rentrent dans ce réseau. Et ce réseau, il est réuni par une charte. Une charte qui permet d'avoir des objectifs communs, une vision commune, et qui donc s'appuie sur un certain nombre d'engagements. Pourquoi cette charte ? Eh bien, ça permet d'élever le niveau de conscience commune sur l'océan comme un écosystème dans son ensemble, de comprendre comment il fonctionne, et aussi comme l'océan comme un des acteurs clés du réchauffement climatique et l'impact que peuvent avoir, je dirais, des pêches qui ne sont pas responsables, la pollution, la destruction des écosystèmes, l'intégration d'espèces qui ne sont pas prévues, donc qui vont devenir invasives. Bref, de prendre conscience de tous ces problèmes, de construire un désir commun d'agir pour améliorer l'impact que l'on peut avoir, diminuer cet impact et améliorer donc, je dirais, la performance de l'activité de l'entreprise en question pour faire en sorte que ça s'intègre mieux dans cet écosystème. Et puis, adopter un langage commun pour l'ensemble des entreprises qui sont impliquées. Évidemment, ça va vers l'intégration d'un nouveau business model qui progressivement va remplacer l'ancien et être beaucoup plus responsable. Donc ce que je vais faire, ce que nous allons faire, c'est vous présenter rapidement les entreprises qui sont impliquées dans ce réseau. Le cas échéant d'ailleurs, si Rafaela a envie de rajouter une information importante, apporter votre connaissance sur tel ou tel acteur fondateur du réseau, elle est la bienvenue, mais si elle n'intervient plus, c'est qu'elle est déjà partie et nous lui souhaitons bien entendu bonne chance. Donc il y a la première entreprise, c'est Mer Alliance, si vous pouvez me mettre la diapo à l'écran. Donc Mer Alliance, c'est une entreprise très importante qui est complètement impliquée. À titre personnel, je peux même dire que c'est une entreprise dont le fondateur, bien sûr, est très engagé, mais aussi les actionnaires. Puisque je les connais, je travaille avec eux, ce sont des fonds d'investissement qui ont signé ce qu'on appelle les Principles for Responsible Investments et qui les engagent eux-mêmes, donc des financiers engagés pour améliorer ce qu'ils appellent leur responsabilité ESG, donc Environment, Society and Governance. Et cette entreprise donc, de 800 employés, donc créée par M. Charpentier en 2002, travaille dans le domaine de l'aquaculture responsable sur les marchés du saumon et des poissons fumés. Vous voyez les chiffres, donc 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, 800 employés, c'est déjà une entreprise qui compte dans le bout de la Bretagne. Elle s'est engagée sur des bilans carbone très importants pour voir un petit peu ce que ça donnait. Il en ressort des chiffres qui ne sont pas très surprenants. C'est que 68% de cette empreinte vient des approvisionnements, 13% de l'emballage. Ça donne tout de suite des pistes pour progresser et donc diminuer cet impact. Et quand on ne peut pas diminuer, c'est une entreprise comme d'autres qui va s'engager dans des compensations de façon à équilibrer finalement le bilan au bout du compte. Donc les projets sont nombreux, je ne vais pas les énumérer tous, il y aura d'autres occasions pour Mer Alliance d'en faire état, mais c'est une des entreprises fondatrices les plus importantes du réseau aujourd'hui et depuis le départ. Ensuite, sauf si Rafaela veut intervenir, ensuite nous avons une entreprise très intéressante qui s'appelle Algopac.
Et Algopac travaille sur, j'ai envie de dire, sur l'économie circulaire. C'est une pionnière en matière de chimie verte. Au début, ils ont conçu des produits à partir donc des algues et pour lesquels environ 50% étaient originés par les algues. Et c'était déjà un énorme progrès sur l'impact. Les applications de ces produits. Ce sont aussi bien des emballages, des sols, des jouets pour les enfants, etc. Et depuis peu, Algopac a mis au point donc un process et un produit qui est donc avec toute une gamme qui est à 100% recyclable. Ce qui veut dire que voilà une entreprise qui depuis la conception de ses produits jusqu'à la fin de vie fait en sorte que l'impact de ce produit soit totalement nul et que 100% du produit pris au départ avec les matières premières puisse être totalement recyclé. Ce qui veut dire que, comme le disent les Anglais, cradle to cradle, il y a là une économie circulaire qui se met en place et qui permet de ne pas altérer les ressources de la planète. Ensuite, un certain nombre d'autres entreprises qui travaillent toutes dans le domaine de l'océan, du maritime, depuis les produits électroniques comme Navicom jusqu'à la conception et la vente de produits responsables de Uship, Watansea, qui est une société qui a mis au point un hydrogénérateur que vous voyez en bas de la diapo et qui permet de générer pour tout bateau l'énergie nécessaire. Ça va venir remplacer les plateformes solaires et apparemment c'est avec une efficacité tout à fait importante. Le bateau Respect Océan qui va prendre le départ de la Mini Transat est équipé de cet hydrogénérateur. Ensuite, dans la charte Respect Océan, il y a aussi un certain nombre d'engagements pour essayer de minimiser l'impact que l'on peut avoir sur la mer et les côtes. Et de ce point de vue-là, donc, j'ai envie de vous montrer ce que peuvent faire d'autres fondateurs du réseau, à commencer par, et c'est ça qui est intéressant, en fait, un ensemble d'acteurs réunis dans une fédération qui s'appelle Armateurs de France, et comme nous avons la joie d'avoir Patrick Rondeau avec nous, je lui passe la parole. C'est bon, oui. Donc Patrick Rondeau, Armateurs de France, je suis responsable environnement donc chez Armateurs de France, qui regroupe une cinquantaine d'armateurs français. Il faut savoir que le transport maritime est un élément essentiel de la mondialisation. 90% de l'économie mondiale passe par le transport maritime. Le transport maritime est un transport qui, d'un point de vue environnemental, a une empreinte qui est extrêmement faible. À titre d'exemple, une tonne de marchandises qui vient d'Asie en Europe, on émet 15 grammes de CO2 à la tonne kilomètre, hein, donc ce qui est quand même extrêmement faible avec les gros navires que l'on a actuellement. Bon, néanmoins, par la mondialisation, il est évident que le trafic maritime augmente, donc même si on s'améliore navire par navire, au final, on a un risque d'avoir une augmentation globale de l'empreinte environnementale du transport maritime. C'est pour ça qu'on essaye de faire beaucoup d'efforts pour réduire cette empreinte. Donc, je vous ai parlé des émissions atmosphériques. Donc, actuellement, il y a des réglementations pour diminuer les émissions de SOX. Il y a des réglementations à venir pour diminuer les émissions de NOX. Et je dirais que pour nous, ce qui est extrêmement important en ce moment, ce qu'on voit comme carburant du futur dans le transport maritime, c'est le GNL, donc le méthane liquéfié, qui nous permet de répondre effectivement à beaucoup de ces problèmes. Et c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place sur un centre de nos navires, en particulier actuellement sur le Transmanche et au départ aussi de Marseille, puisque la SNCM, qui est un de nos adhérents, envisage de commander 4 navires au GNL pour desservir la Corse. Hein. Donc le transport maritime, effectivement, je dirais qu'il émet dans l'atmosphère. Il y a aussi des problèmes par rapport à ce qu'on rejette dans l'eau. Il faut savoir que pendant longtemps, le transport maritime, en fait, était autorisé à acheter beaucoup de choses à la mer.
C'est-à-dire que si on était loin des côtes, on avait l'autorisation de jeter pratiquement à peu près tout ce qu'on voulait à la mer. Je parle de produits, non pas de produits hydrocarbures, hein, ce qui est là, c'est interdit depuis plus longtemps, mais un certain nombre de choses. Bon, en fait, tout ça, ça a été changé assez récemment. Et donc, il y a maintenant une interdiction totale de jeter quoi que ce soit à la mer. Les seules choses qui peuvent être jetées, ce sont les déchets alimentaires pour des raisons sanitaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, même s'il faut savoir quand même que 90% de la pollution marine vient de la terre. Néanmoins, nous aussi, nous avons un impact et on essaie de le réduire au maximum. La dernière chose qu'on peut signaler au niveau de la mer, donc de l'eau, c'est les eaux de ballast. Hein. Il faut savoir que certains gros navires chargent de l'eau pour ballaster, donc quand ils ont pas de marchandises, ils chargent de l'eau et cette eau va être rejetée 10 000, 20 000 km plus loin ou 10 000 km plus loin et on transporte des espèces invasives. Il y a donc une convention qui a été adoptée par l'OMI qui oblige à s'équiper de systèmes de traitement d'eau de ballast. Et cette réglementation en fait, va rentrer en vigueur a priori début 2015. Donc il y a déjà un certain nombre d'armateurs qui sont équipés de systèmes, hein, pour être prêts pour 2015 et qui l'utilisent déjà. Et donc c'est quelque chose qui va dans un sens du respect de l'océan. Voilà ce que je peux dire sur le temps. Armateurs de France, c'est environ 100 membres. C'est combien de bateaux? À peu près 1000, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Enfin, c'est, disons que c'est environ 500 bateaux sous pavillon français et 500 navires qu'on appelle contrôlés sous d'autres pavillons. Donc, c'est trois. Enfin, je dirais qu'on peut citer trois très grands armateurs, hein, dont deux marseillais, donc CMA-CGM. Donc, tout le monde, vous avez vu la tour ici, et donc qui fait du transport de conteneurs, et Bourbon, qui est une entreprise de supply offshore. Voilà, avec des gros remorqueurs que l'on voit fréquemment dans les tempêtes pour aller chercher les bateaux en perdition. Voilà, enfin ça c'est effectivement les Abeilles Internationales qui sont une filiale de Bourbon, qui ont un contrat avec l'État français pour assurer la sécurité des côtes françaises, tout à fait. Voilà. Donc vous voyez, ce qui est intéressant avec Armateurs de France, c'est que l'effet de levier, l'effet de taille est considérable et ça touche beaucoup d'entreprises qui font partie de cette fédération. Un autre acteur très important du secteur, je sais qu'ils feront une intervention beaucoup plus approfondie tout à l'heure, donc il s'agit du groupe GDF Suez. GDF Suez, faut-il le présenter, hein, c'est 85 milliards de dollars de chiffre d'affaires au monde, 200 000 employés, une entreprise qui travaille dans le domaine de l'énergie, de l'environnement et qui a lancé beaucoup d'actions. Vous en avez quelques-unes à l'écran. Et donc avec Gilles Laridon, on peut peut-être dire quelques mots, hein, sur les énergies renouvelables et notamment immergées. Donc je vous en prie, Gilles Laridon. Oui, merci Eric. Je voulais effectivement dire que notre groupe GDF Suez est fier de participer au projet de Rafaela Respect Océan. Parce qu'effectivement, nous sommes très impliqués dans le monde marine. Une partie de nos activités se déroulent en mer. Et nos projets, on les développe bien sûr en respectant l'environnement. Voilà, donc sur la planche, effectivement, il est cité trois points. Hein, un point relatif à la production de gaz et notamment aux effets relatifs aux ancrages au sol, hein, qu'on cherche effectivement à limiter. Un autre point est relatif au transport de gaz, hein, avec tout ce qui concerne le monitoring relatif aux mammifères marins. Et puis le dernier point qui est cité est le point relatif aux énergies marines, qu'effectivement, pour lequel je dois faire une présentation en fin de matinée ici. Alors effectivement, les énergies marines, nos projets et notamment les projets de Wessan ou du Raz Blanchard, on les développe bien sûr avec le souci permanent de prendre en compte l'environnement, que ce soit au tout début, c'est-à-dire dans les études environnementales que l'on mène ou dans le suivi environnemental que l'on réalise par la suite, tant dans la phase de construction que dans la phase d'exploitation. Alors sur l'image que vous avez choisie, on voit effectivement des hydroliennes sous l'eau. Là. C'est une image effectivement de la société Sabella, qui est notre partenaire à Wessan, hein, et qui représente donc un bateau au-dessus de l'eau et les hydroliennes dans le fond de la mer. Il y a beaucoup d'espoir, hein, avec les énergies sous-marines.
Oui, oui. Donc effectivement, nos études portent sur un certain nombre de points plus particuliers qui concernent d'abord l'acoustique, les mammifères marins, mais aussi la ressource halieutique, la vie faune avec les oiseaux plongeurs, et puis tout ce qui concerne le benthos, hein, du fond de l'eau, la faune, la flore, et puis aussi le sol et les transports sédimentaires. Merci beaucoup, Gilles. Alors, je vais passer la parole à Agnès Garçon, qui travaille au sein des Sablières de l'Atlantique, une entreprise un peu particulière, mais qui est directement concernée par cet impact, hein, sur les zones côtières et l'océan. Donc c'est un focus un petit peu plus approfondi, hein, que pour les autres. Et donc Agnès va nous montrer comment cette entreprise appréhende et s'occupe de son impact sur l'océan et les zones côtières. Agnès. Merci Eric. Alors nous sommes donc une activité historique, hein, l'extraction de sable, ça date déjà du 19e siècle sur les côtes, les marins pêcheurs le pratiquaient déjà, vous pouvez le voir sur les quelques cartes postales qu'on ressort de nos archives. Et cette activité s'est évidemment développée après la guerre avec la reconstruction, et puis aussi avec des difficultés d'accès à la ressource. Donc là, je parle vraiment de la façade atlantique. Ce sont donc des sociétés familiales qui sont armateurs. Donc on parlait d'armateurs de France, nous sommes aussi adhérents aux armateurs de France. Et historiquement, l'extraction se faisait plutôt dans la bande côtière, on va dire, des 3000 jusque, disons, les années 70. Et puis au fur et à mesure des connaissances scientifiques qui se sont développées, eh bien nous nous sommes éloignés des côtes jusqu'à investir dans des nouveaux navires. Et là, vous avez sur la diapo les navires les plus récents qui vont extraire jusqu'à 40-45 mètres de profondeur et sont donc des sociétés extracteurs et armateurs. Là, je ne vous présente pas simplement ma société. Hein. Vous avez ici trois sociétés qui extraient du granulat. Et nous sommes très fiers de dire que nous battons pavillon français, nous faisons cocorico parce que nous employons que des marins français. Ce qui a un intérêt, c'est au niveau de la communication interne au bateau et de tout ce qu'on peut aussi faire comme suivi. Il est important pour nous que chacun à bord puisse comprendre et s'approprier toutes les démarches qu'on met en place pour limiter nos impacts. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est peut-être pas très européen, je reconnais, mais on tient beaucoup à ce que la communication se fasse sur de bonnes bases. Et c'est pour ça qu'on souhaite aussi que tout le monde parle français, y compris les Bretons. Alors, voilà. On parle des sables et des graviers. Alors, je voulais juste aussi faire une petite aparté, parce que les gens ne connaissent pas toujours très bien notre domaine. Donc, il y a donc deux sortes de granulats, les sables et les graviers. Nous, on extrait des sables. Il y a deux types de granulats aussi, ceux qui sont dits roulés, c'est-à-dire qu'il suffit de les extraire, de les utiliser, et d'autres qui sont concassés, c'est-à-dire qu'en général, ce sont des carrières de roches massives, on fait un petit tir de mine, derrière, on a des broyeurs, et ça vous donne des cailloux avec des angles. Nous, on travaille dans le côté sable roulé. Et puis, il y a une troisième différenciation, c'est que les sables peuvent être siliceux ou calcaires. Et donc, notre activité Sablières de l'Atlantique, ce sont les sables roulés siliceux qui servent donc au secteur du bâtiment, et puis avec une petite particularité pour nous qui sommes basés près de Nantes, au maraîchage nantais, à la nantaise, vous savez, la mâche pour laquelle il y a quelques années encore, vous croquiez peut-être un peu de sable quand vous la mangez, si elle n'était pas toujours très bien lavée. Les sables calcaires sont plus exploités en Nord-Bretagne et servent à l'amendement agricole, mais ce n'est pas du tout notre sujet d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas du tout concernés par cela. Revenons à l'Atlantique. Donc Alors, l'Atlantique, eh bien, c'est une réserve assez importante. Ça a été déterminé il y a pas mal d'années de ça, maintenant, dans les années 80. L'ex-Snexo, devenu Ifremer, avait fait une estimation des ressources. Vous pouvez voir sur la carte qu'en fait, les ressources sont assez localisées. Ce sont les anciens lits alluvionnaires, notamment de la Loire. Le plus gros paquet, c'est la Loire. Et puis, donc, vous avez les Pertuis, plus au sud, et la Gironde, qui sont des ressources de granulats marins. On se limite aujourd'hui à une bathymétrie de 50 mètres. Je vous expliquais que les navires étaient conçus pour aller plus loin qu'avant, mais tout de même pas si loin que ça. Pourquoi ? Parce que nos ports bretons sont souvent des ports à marée et que bien que nous puissions accéder aux grands ports comme Brest
ou Saint-Nazaire ou l'Orient, en général, la valeur ajoutée du sable est assez faible et on nous colle souvent dans des petits endroits où il n'y a pas de tirant d'eau. Donc on est obligé de jongler entre la capacité du navire et le tirant d'eau. Et vous savez que pour aller pêcher le sable, il faut une élinde, donc une espèce d'aspirateur. Donc la longueur du navire, la longueur de l'élinde détermine la longueur du navire, mais la longueur du navire détermine le tirant d'eau. Donc c'est l'espèce d'équation un peu improbable qu'on est obligé de faire, profondeur d'extraction par rapport à capacité d'accueil portuaire. Voilà. Alors en France, on est des tout petits joueurs. On exploite environ 400 millions de tonnes de granulats. Et les granulats marins, sable et gravier pour le coup confondus, ça fait 7 millions de tonnes. Donc vous voyez que ça ne représente pas grand-chose. Une cinquantaine de kilomètres carrés sur l'ensemble des façades Manche et Atlantique. Mais pour autant, on a un intérêt majeur dans l'approvisionnement des départements côtiers sur la façade Atlantique. Et donc sur la façade Atlantique, il y a 5 millions de tonnes qui sont extraites, dont 70% de ces 5 millions de tonnes sont extraites sur une concession dont je m'occupe, qui s'appelle le Pilier. Voilà, c'est juste pour remettre les ordres de grandeur. Nous ne construisons pas à Grenoble avec du sable marin. Donc quand on parle des chiffres du granulat, il faut bien se mettre dans la tête qu'expliquer que tout est construit à partir de sable marin est une erreur flagrante. Voilà, ça je le dis pour certains reportages qui ont traîné il n'y a pas longtemps et certains articles dans la presse qui m'ont particulièrement énervé. Comme je suis très directe, je me permets de le dire. Je vois ça, je vois ça. Donc, rentrons un petit peu maintenant dans le vif de notre sujet après présentation. Voilà, c'est la charte de respect océan. Donc, quand Raffaella est venue nous voir, on a beaucoup aimé cette charte parce qu'elle était hyper pratique et très, très concrète. Ce n'est pas des grandes envolées sur la défense des gentils dauphins ou de l'ours blanc, mais c'est quelque chose de pratique et de concret, très applicable tout de suite pour une entreprise. Alors, la première chose qu'on a fait, je vous expliquais qu'on avait des nouveaux navires en construction. Eh bien, nous avons pu nous insérer dans la charte, déjà avec ce qu'on appelle l'éco-construction des navires. Et donc, notamment ici, vous voyez les photos du Saint-Pierre qui a été construit par le chantier STX à Lorient et pour lequel on a optimisé l'hydrodynamique pour réduire la consommation de carburant, très important, et aussi pour réduire ce qu'on appelle le panache turbide. Vous savez, quand on extrait du sable, le sable décante dans les cales et on rejette les particules les plus fines à l'eau. Et pour éviter donc trop de rejets, nous avons toute une conception de ce qu'on appelle la déverse, qui est réglable en hauteur en fonction et qui se situe dans les cales à différents endroits et qu'on peut automatiser pour réduire donc cet impact lors de l'extraction. Ça, c'était une première façon de s'insérer dans la charte. Un autre engagement majeur, évidemment, respecte aussi. On nous dit qu'il faut d'abord respecter en prérequis obligatoire la législation. Il faut savoir que la législation minière est assez compliquée en France. On a besoin de 3 autorisations. Une autorisation de concession qui est donnée par le Conseil d'État, donc qui est traitée au niveau ministériel. Et puis 2 autorisations qui sont traitées au niveau départemental. Une autorisation d'occupation du domaine public maritime et une autorisation d'ouverture de travaux qui est celle qui en fait encadre strictement du point de vue environnemental les conditions d'extraction. Alors ces autorisations sont encadrées, il y a toujours une enquête publique, une étude et bien sûr une étude d'impact et en général elles imposent des suivis environnementaux aussi qui obligent à un certain nombre d'études. Je pense qu'on peut passer à la suite, et donc les études qui doivent respecter bien sûr les bonnes pratiques. Et elle oblige aussi un autocontrôle des navires, qui est très, très suivi, puisqu'il s'agit en fait, là vous voyez un tracé d'extraction, on enregistre à chaque fois que l'élinde se met sur le fond, on enregistre la trace, l'heure, la vitesse, ce qui permet derrière à l'État de contrôler qu'on n'est pas allé jouer les cow-boys en dehors de nos zones, et puis qui permet aussi de contrôler un certain nombre de paramètres annexes, comme notamment la bathymétrie ou des choses comme ça, avec un positionnement AIS, SATCOM, enfin bon, les marins connaissent assez bien tout cela, et ça permet donc à chacun de savoir où on est exactement, et vous-même, si vous vous amusez à vous mettre sur Internet, vous pouvez nous suivre. Moi, je m'amuse à suivre mes petits concurrents. Je les vois là-bas, dans le coin de la salle. Sur Vaisselle Trafic, notamment, hein, on peut regarder où sont les dragues sablières et les suivre.
Donc une activité en fait extrêmement encadrée, contrôlée, voilà. Enregistrée. Donc, voilà, donc on fait donc régulièrement des bathymétries sur le site, on fait aussi des relevés biosédimentaires. On a aussi un partenariat, nous, Sablières de l'Atlantique, avec Ifremer, pour contribuer au programme Prévimer, qui permet, avec des sondes sur les lindes, de pouvoir mesurer en direct température, salinité, turbidité. Et puis, la profession des granulats au sein de l'UNPG, qui est donc le syndicat des producteurs de granulats, s'est engagée aussi dans une démarche avec le système d'information des paysages et de la nature, pour que les métadonnées puissent être disponibles de toutes ces études, puisqu'on a aussi des prélèvements benthiques, des stations benthiques, avec des stations de référence en dehors des zones d'extraction et des stations dans la zone. Donc ça contribue à la connaissance scientifique du milieu et de notre activité et des impacts de notre activité. Et puis au-delà de ces engagements qui, somme toute, sont encadrés par l'État et suivis aussi par les référents Ifremer, hein, qui donne les cahiers des charges. On a aussi des partenariats qui vont au-delà de nos obligations purement légales, et notamment Sablières de l'Atlantique s'est engagé avec le comité régional des pêches et des élevages marins de Pays de Loire dans un suivi purement halieutique pour voir un petit peu comment le système récupérait pendant et après extraction. Alors c'est très intéressant parce que le côté halieutique, nous on sait très bien que notre impact il est surtout sur le fond, donc sur le côté benthique plutôt. L'halieutique, somme toute, les gens voient de côté le côté socio-économique, en quoi est-ce que l'activité de pêche a pu changer, les pratiques de l'activité de pêche ont pu changer parce que nous on extrait, et donc ça le Corepem a des données que nous n'avons pas, parce qu'évidemment le système français de récupération des données de pêche est fait sur des carrés trop grands, des carrés statistiques trop grands. Et il se trouve que le Corepem des Pays de Loire a monté un programme avec l'Université de Nantes qui lui permet de traiter les données socio-économiques à une échelle plus petite. Et donc, sur le pilier, c'est particulièrement intéressant puisqu'on peut voir l'activité socio-économique. Et puis, il y a le côté aussi purement les poissons en eux-mêmes, même si c'est plus anecdotique puisqu'on sait que nous, c'est par effet de répercussion sur le benthos. Et ce qui était intéressant au pilier, c'est qu'on a des données qui datent des années 80. Donc on a pu faire un suivi halieutique depuis les années 80 et de voir comment la ressource avait évolué. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que le poisson se porte bien sur le site du pilier et qu'il y a une espèce d'effet réserve naturel. C'est un peu curieux, mais les tailles et les poids des poissons pêchés sur le site d'extraction sont plus importants qu'à l'extérieur. Alors, pour une raison qui est assez simple, c'est qu'en fait, pour des raisons de sécurité, la commission de navigation a interdit toute pêche sur la zone d'extraction qui fait 8 km². Donc, je pense que le poisson n'est pas complètement CQFD, crétin. CQFD. Voilà. Alors, pour conclure, Agnès, donc, vos objectifs Voilà, donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est bien sûr renforcer le dialogue avec les autres acteurs de la mer, notamment les pêcheurs. Il faut savoir que quand on est au-delà des 6 000, il y a quand même de moins en moins de gens qui sont vraiment concernés et qui connaissent ce dont ils parlent. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'au moins on ait une connaissance partagée, qu'on améliore et qu'on partage ces connaissances, notamment via les comités locaux qui rassemblent les 5 parties chères au Grenelle de la mer. On fait donc des commissions locales d'information et de suivi, et on essaye vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information scientifique. Ce n'est pas évident. On essaye aussi de s'intégrer au mieux dans les divers outils de gestion des espaces maritimes côtiers. Donc ici, je pense qu'on en parle assez souvent. Les plans d'action pour le milieu maritime, bien sûr, les plans de gestion des aires marines protégées, les DOCOP des sites Natura 2000. Il faut savoir que le pilier est en zone Natura 2000, donc on attend avec impatience la constitution du groupe de travail qui fera le DOCOP. Il est toujours en plan, pour ceux que ça intéresse. Les scots littoraux qui valent le schéma de la mer, de mise en valeur de la mer, les directives territoriales d'aménagement, les SDAG, les SAG, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui s'occupent de nous, et on aimerait bien aussi qu'on s'occupe un peu d'eux. Donc on essaye vraiment de partager cette connaissance à travers tout ça, et Respect Océan en termes de plateforme et de connexion à d'autres entreprises qui peuvent avoir les mêmes préoccupations, en termes aussi de connexion avec le monde scientifique et le monde associatif,
nous permet, je pense, de progresser dans ce respect mutuel dont parlait Raphaëla. Il n'y a rien de pire quand on parle de mère que de ne pas savoir de quoi on cause ni de quoi nos interlocuteurs parlent. Il faut arriver à trouver le langage commun, la plateforme commune de partager. Et nous fondons de grands espoirs dans ce réseau pour justement mieux développer ce dialogue absolument indispensable pour qu'on puisse continuer, nous, en tant qu'entreprise, à progresser et aussi à mieux connaître éventuellement les gens avec qui on partage l'espace. Merci Agnès. Donc c'est effectivement un réseau en émergence. On peut dire que c'est l'année 1 de ce réseau. Je vois que Raphaëla est encore à l'écran. Tu nous as suivis. Donc est-ce qu'on te réserve le mot de la fin pour... à moins que je m'adresse à la salle, est-ce que vous avez une, deux, trois questions auxquelles nous pourrions répondre? Bon, soit vous avez été assommé par la présentation, soit le café n'a plus d'effet, soit, ben, Raphaëla, on est de toute façon au terme de notre séquence, hein, il faut qu'on termine. Donc, le mot de la fin. Avant qu'on... Oui, quand même une petite question, madame. Bonjour Raphaëla, c'est Elodie Athé de la compagnie Yvan. J'avais juste une petite question. Tu vas aller chercher les entreprises ou elles viennent à toi parce qu'elles te connaissent? Enfin, là, on a trois grandes entreprises. On a présenté des petites entreprises. Comment ça se passe? Merci Elodie. Donc, en fait, au un départ, ce réseau, vous m'entendez là? On t'entend faiblement. On peut monter un peu le son? Merci. Vas-y. Au départ, c'est vrai que je suis allée voir des sociétés que je connaissais par mes activités professionnelles et par les échos que j'avais eus en participant à diverses réunions. Vous m'entendez là? Tant. On t'entend. Allô? Oui. Et puis, oui. Et puis ensuite, maintenant qu'on a la région Bretagne qui nous soutient dans le développement de ce réseau, l'idée en 2014 et 2015 est que le réseau, on puisse aller en fait voir des entreprises, s'adosser à d'autres réseaux qui existent au niveau de la région Bretagne et des autres façades marines pour essayer de convaincre diverses sociétés. Mais c'est vrai qu'au début, moi, j'ai cherché à trouver parmi les secteurs professionnels des entreprises un peu locomotives, en me disant, voilà, on crée une dynamique et j'espère que derrière, d'autres nous rejoindront parce que finalement, c'est bien ça l'idée derrière aussi, c'est de convaincre un maximum d'acteurs. Donc, par secteur professionnel, trouver des bons leaders d'opinion, ça a été mon premier objectif. Et je voudrais insister sur un point qui a peut-être pas été assez souligné sur ce réseau, c'est que une originalité de ce réseau, c'est qu'il soit vraiment transsectoriel. Donc réunir différents secteurs d'activité, c'est déjà fort parce que on n'a pas forcément non plus de dialogue qui s'instaure entre ces acteurs de la vie économique en mer, et les gens ne se connaissent pas forcément très bien non plus. Donc ça, c'est un premier élément. Les réunir autour d'un même engagement, ça, c'est un vrai challenge. Et ensuite, réunir aussi dans ce réseau des acteurs de tailles différentes. Et vous avez vu, il y a donc des exemples de grands groupes, mais par exemple, Algopac, c'est vraiment une TPE, donc avec quelques personnes, même pas, qui en sont à l'origine. Et chaque acteur de ce réseau aura sa voix. Et je pense qu'on peut beaucoup gagner à favoriser aussi ce rapprochement entre des grands groupes et puis des toutes petites sociétés, et notamment sur tout ce qui est cheminement, développement durable et bonnes pratiques, etc.
Donc voilà. Pas d'autres questions ? Eh bien, donc nous allons conclure. Merci Raffaella, bon vent. Et puis merci à tous d'avoir été présents et d'avoir bien voulu participer à cette table ronde. Merci Gilles, merci Patrick, merci Agnès. À bientôt. Hello, do we have anybody from Greenpeace in here for the next presentation, please? You can come and see me.